Yo les gars, salut tout le monde, c'est Timapon, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur distance, sur vos niveaux sur distance. Alors j'espère que vous allez bien, bah ouais, écoutez, ça va super. Alors deuxième fois que je recorde cette vidéo, la première fois ça s'est pas trop bien passé, il y a Fraps qui m'a fait un gros doigt d'honneur, hein. Merci Fraps, merci espèce d'enfoiré. Alors j'espère que ça va bien se passer cette fois-ci, alors tout de suite, allez hop. Distance, track mon Griffy. Yeah! Alors, on va tout de suite commencer par Hades. Kif. TOS 2. Si j'avais déjà que j'allais écrire ça une seule fois de ma vie, mais en plus que je dois l'écrire deux fois, bah putain, mon gars. Wouah! Si je savais, bon, normalement, vous avez pu voir le nom des niveaux en dessous. Hein. J'ai pu tester 3 niveaux. Avant vraiment de bah, que Fraps me fasse sa comédie de malheur. Bon, parce que bon, voilà, maintenant les 3 premiers niveaux, ce sera pas en découverte, quoi. Mais bon, ça, je n'y peux pas grand chose. Alors oui, vous entendez sûrement des bruits à l'extérieur, tout ça. Les gars, pour ma survie personnelle, je suis un peu obligé, hein. Vu la chaleur qu'il fait en ce moment. Je préfère largement me munir de ce qu'on appelle un kit de survie personnel, c'est-à-dire fenêtre ouverte, tout ça. Disons que c'est un peu utile pour moi, vous voyez. Vous voyez. Oh putain, j'entends rien du jeu. Oh mon dieu, j'entends tellement rien du jeu. Attends. Ah, j'entendais que dalle du jeu, hein. Putain, je m'en doutais, je le voyais de loin. Je le voyais de loin, celui-là. Foiré. Ah, je pense que c'est soit ce niveau-là ou soit le deuxième qui possède un piège vraiment bâtard. À un moment, on va avoir une grosse montée et d'un coup, un renfermement et puis plein de pics qui vont jaillir du ciel. Ça, c'est assez bâtard, quoi. C'était franchement, c'est bâtard et très vicieux. Là, voilà. Putain. Là, j'ai esquivé avec succès. Je vous jure, c'était au poil de cul, là, lors du premier record. C'était au poil de cul. Ouah. Merde. Oula. Eh oh, je suis où? Merde. Ah. Oui. Oui, j'étais quelque peu bloqué, monsieur. Bonjour. Bon bah, au revoir, hein. Parce qu'on va y arriver, putain. J'aimerais ne pas mourir. Putain, mais la puissance de vol, mais c'est zéro, hein. C'est zéro la puissance de vol, mon dieu, quoi. Allez, allons-y. Oh là là là. Bien sûr. Oh putain, comment ça t'éclate juste comme ça, toi? Eh oh, t'es pas une voiture en papier mâché, hein, connard. Mon dieu, quoi. Allez, normalement, c'est presque la fin. Je vais bien détailler. On remarque vraiment le sens du détail auquel on a lieu. C'est que vraiment, essaye vraiment de mettre le maximum de décors possible, le maximum de choses qui peuvent vraiment faire office. T'as décor tout bien réalisé. Alors, le... Doigté du Benzou. C'est dégueulasse. Mais bon, c'est un bon niveau. Et oh, oh, oh. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. C'est un très bon niveau, moi je te dis. Je suis sûr que si on tape Fabien. Sodo. Non, non, je vais pas dire le mot, mais voilà. Hein. Faites-vous une illustration dans votre petite tête. Et vous verrez de quoi je parle. Ça, j'ai bien aimé le petit mélange là. Et ensuite, vraiment un peu de toutes les couleurs. Ça, j'avais pas mal adoré quand même. Et surtout que la couleur dominante reste un peu le vert. Aïe, putain. Ah merde. Ah bah. C'était tellement prévisible de toute façon. Ah non, pas une deuxième fois. Hein. Oh. Oh. On me la fait pas, hein. Oh là là.
Eh ben, après on se plaint des embouteillages, hein. Ah, j'ai hâte d'avoir mon prochain PC là. Je pourrais jouer à fond en 60 FPS constant. Et surtout avec tout à fond. Absolument tout à fond. Ce sera encore plus beau, hein, le jeu. Déjà qu'il est vraiment bien beau, tout ça ici. Franchement, vous aurez encore un jeu plus beau si je mets tout à fond. Forcément, tu me diras. Mais bon. Je veux dire, même si là c'est quand même vachement détaillé tout ça, ce sera encore plus beau, hein, c'est possible. Putain. Les coquilles là. Les coquilles, tu me les casses, hein. Cassez boule. Wouah. Putain, oh ce vol plané. Oh nom des dieux. Oula. Bonjour, ma pal le conducteur bourré. Allez. Oh putain, le nombre d'œufs ici, c'est vrai. J'avais oublié ça. Oh là 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 là. What the fuck? Ah merde. Ah oui. Ah. Bon bah. Oh non. Oh merde. Ah. Putain, mais c'était quoi ce bug? Je sais pas si c'était un bug ou si ça m'a vraiment propulsé comme ça, comme un gros bâtard, mais... What the fuck? Sérieux? Allez, bon bah, au revoir, hein. Mais... c'était quoi ce truc-là? C'était quoi? Alors, prochain, c'est Sailor Adesunet. Je vais sélectionner comme ça, hein. C'est plus rentable et plus rapide. Mais what the fuck? C'était quoi ça? Ah, sérieux? C'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Allez. Ah oui, j'avais bien aimé ce petit mélange là. C'est une demi-teinte de bleu clair et du dominant de couleur blanche. Enfin, couleur blanche, non. N'oubliez pas que le blanc, c'est pas une couleur, c'est monochrome. Ça, j'avais bien aimé cette architecture. Une espèce de ville urbaine futuriste abandonnée là, je sais pas. Plus avec les couleurs prédominantes, c'est... je sais pas. Il y a quelque chose qui se ressent. Y a quelque chose, quand même. Ensuite, un peu de rouge, tout ça, pour remonter peut-être un peu le côté mature de la chose. Enfin, rouge, orange, vite fait, hein, quoi. Je sais pas, ce niveau, il m'avait quand même tapé à l'œil. Et ça, ça. Pour bien te dire que... C'est un... Je sais pas, ça te fait... T'as l'impression que c'était une ville attaquée, tout ça, une ville urbaine. Futuriste qui a été attaquée, en plus t'as des robots qui viennent te poutrer la gueule, quoi. C'est vraiment pour renforcer encore plus l'immersion, tu vois. T'as l'impression d'être sur une ville, justement, je répète, mais que... Elle a été abandonnée par sa civilisation, tout ça, que les couleurs sont vraiment apocalyptiques. C'est pas ça apocalyptique vu toutes les structures qu'il y a, et en plus t'as des robots pour venir t'attaquer, quoi. C'est quelque chose. Regardez ces détails juste derrière mon véhicule là. Comme quoi, hein. Putain, avec les trucs de signalisation qui clignotent. Non mais regardez, ça clignote quoi. Les trucs qui clignotent, s'il te plaît. Comme si le feu de signalisation a lui-même été attaqué et que tout simplement bah ça bug quoi. Bah putain, moi je retiens ce niveau, hein, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je retiens ce niveau. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière, hein. Et pour tout vous dire, c'est juste un... sur un mobiton, hein. Allez, soit. Allez, on va faire ça. Benzuda Sensei. Alors, t'en as combien? 1, 2, 3, 4. Ah non. Oh, j'ai failli mettre Sensei, mon dieu. Attends. Benzuda Sensei. Voilà. Bien ça. Il faut faire attention, bien entendu. Je vais pas vous refaire l'éloge que un seul mot ou une seule lettre ou tout ce que tu veux. Change le niveau. J'ai montré la dernière fois ce que ça montrait. On fait voir ici. Ouh. Alors là, à partir de là, c'est de la totale découverte, hein, bien entendu. Je n'ai pu faire que 3 niveaux. Là, oula. Et la ville derrière, putain, y a beaucoup de bâtiments, hein. Ouah. Ah oui. Ah, j'attends d'en découvrir plus.
Ah oui, putain. Eh, hey, oh, ce niveau, putain. Et il envoie du lourd, hein. What the fuck. Ah, je suis toujours... toujours impressionné par ce jeu. Franchement, mais... Oh là là. Et dire que... Dire en plus, bon, vous voyez sûrement en haut à droite, je suis sur une bêta. Hein. Je suis pas sur le jeu vraiment officiel, si je peux dire que c'est ainsi. Faudrait que je me l'achète d'ailleurs. Parce que dans le jeu officiel, je pense que t'as encore plus de possibilités sur Trackmography, comme des épreuves de vol, tout ça, des niveaux en vol aussi, des trucs comme ça, des nouveaux pièges, des nouveaux trucs, enfin... Voilà. Alors, on va passer désormais à Banjo et Kazooie. Voilà. Bien écrit. Mieux vaut, mieux vaut. Alors on va voir, est-ce qu'on va devoir récolter des crânes, est-ce qu'on va devoir récolter des choses, je sais pas. Bon, déjà, c'est très mature, c'est pas du tout l'esprit Banjo tout ça. Waouh, t'as carrément des trucs de gravité. Waouh, ah oui. Hey mon gars. C'est tout l'inverse de Banjo, hein, j'ai l'impression. Mon dieu. Oula. Waouh. Attaquer. Fuck. Non. Dépêche-toi. Eh bah putain. Il était chaud ce passage là. C'est avec une petite lueur rouge pour dire. Pour te dire vraiment dire que t'es dans la merde, quoi. J'ai l'impression que c'est le vaisseau qui m'a attaqué parce que. Bah, je passais tranquillement à côté des lasers et d'un coup j'étais coupé en deux. En photo. C'est ton souci? Merde. Foiré. Ça te fait plaisir de me prendre en photo. Wow, ce niveau, il est so much détail. Et il est sadique, mais il est sadique, putain. Regardez-moi ça. Ah. Il est sadique ton niveau, mon petit Wayne. C'est dégueulasse, on est arrivé à la fin. Putain, eh ben. Et c'est max danger, hein, ce niveau. Oh là là là. Alors, on va passer à Mini NES. Ouais, ouais, Mini NES qui va bientôt sortir, apparemment, pour un prix de... C'est soit 80, soit 60, je sais plus. Selon les sites, ça relaye, mais sur des prix différents. Des sites pas du tout sérieux, j'ai l'impression. Non, non, faut voir, faut voir. Mais oui, c'est... Ce qui est sûr, c'est que ça va être à moins de 100 euros. Oula. Oui. Pourquoi je tourne à 2 FPS? Oui. Ça va? Pourquoi il me fait ça le PC d'un coup? Bon, si tu veux. Pourquoi tu te tournes dans le diaporama? Ok, bon, le PC, il m'a dit... ouais, fuck, attends, 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 attends. Je réinitialise. Voilà. Fuck. Maintenant, je tourne bien, quoi. Ça lui arrive, ça lui arrive. Et maintenant, c'est bien fluide. Putain, niveau de toutes les couleurs, des orages, c'est bon. On a encore trouvé un niveau de taré. Et ça va, j'ai l'impression que c'est plus en plein air, là. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un... ça offre un peu plus de liberté, ce niveau. Question architecture. Oups. Oh, c'est une grande route ici, mine de rien. Oula. Ok. Des murs. Oh. Ah ouais. T'es une espèce de ville urbaine là-bas, tout en haut. Oula, ouais. Putain, ouais.
Ok, bon, le PC, je sais pas qu'est-ce qu'il a d'un coup, il m'a dit fuck avec les performances à un moment là. Ouais, oh putain. J'ai voulu esquiver, les gars, je vous jure, que j'ai voulu esquiver, mais. Oh, purée. Mais ça n'a pas voulu. Ah, n'a pas voulu. Oui, c'est de la faute du jeu. Oui. Moi, non. Non, c'est pas de ma faute. Hein. Écoutez, si la physique des véhicules est soumise à la gravité de l'espace. Écoutez, c'est pas de ma faute. Hein. Oh putain, ce niveau, mais il est long et coloré, mais un truc pas possible. Allez hop. Un dernier looping et hop, on fonce. Et waouh, paf. C'est parfait. C'est parfait. Alors, prochain niveau, c'est Benzoué. Pas là. Non, c'est pas ESR. Non, monsieur. C'est ASMR. Non, c'est pas ESR. Vous m'avez compris. Hop, je vais bouger un petit peu parce que... C'est pas agréable de jouer comme ça. C'est quand même mieux de jouer ainsi. Voilà. D'ailleurs, des gros bisous à notre Benzo qui va revoir rattraper plein de vidéos. Des gros big up et bon courage à toi. Hein. Oh putain, oh, ce niveau full full violet, putain, mais ça s'annonce que du bon. Waouh. Alors déjà, si on te fait une entrée comme ça... Hey, mon gars. Ah, moi j'achète, hein. Ah, je sais pas ce que le PC il a voulu faire, là, il souci de performance. Wow, attention. J'aurais pu le voir, mais je jouais avec une petite lueur, moi. Je jouais avec une petite lueur, je m'en doutais pas que c'était directement un piège. Ah, c'est bien fondu dans le niveau, mine de rien. C'est bien fondu dans le niveau, hein. Ouais. Allez, hop. Allez, ouh, déjà la fin. Déjà la fin, ok. Nickel. Alors. Une... Pointe. Pointe. Allez. Alors, déjà, franchement, encore une fois, un grand merci pour vos propositions. Franchement, on voit que les niveaux générés sont vraiment mais, géniaux. J'écouvre des perles à chaque fois, moi. Vraiment, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Alors, ton niveau ici, qu'est-ce qu'il va donner? J'en sais rien, déjà, les éclairs de Zeus, hein, on emmerde les Grecs. Non, père, ouais, la mythologie grecque, on lui fait un gros dos d'honneur. Au niveau plutôt banal, si je puis dire c'est ainsi, en premier abord. On va voir le mot d'après. Ça va être un niveau banal parce que c'est beaucoup de lettres. Ah, putain, si je me cogne la gueule, ça va pas le faire. Hein. Par contre, il y a quelques passages en tunnel, bien grave. Putain, j'ai pas vu le mur, de loin. Ah, je l'avais pas vu de loin comme ça. Non. Les lasers, bon, j'ai ça à chaque fois, mais je me fais ratatiner la gueule comme une mamie qui a perdu sa vie. Ah oui, bravo, 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 bravo. Fais voir là, yep, j'ai cru que c'était la fin. Non, c'est la fin, si. C'est bien ce que je me disais. Voilà, bon, bah écoute, encore une fois, merci pour ta proposition. Alors, mon dieu. Alors ça, hein, frites, les frites, les frites, mon dieu, je sens que ça va être un niveau, mon gars. Alors si déjà il est tout jaune, j'explose de rire, parce que les frites sont jaunes, hein. Ouais. Je vous apprends rien, philosophe Adest, hashtag 2016.
Ça va. Oh putain. Oh, et hey. Ce truc au-dessus là. Waouh. Wow. Eh, c'est une belle entrée de niveau ça. Moi je te dis. Oh putain. Ouais. Et de loin comme ça, tu dirais un truc tout détaillé. Putain, c'est beau. Ah ouais, mon gars. Et ce niveau, ils ont mis la luminescence à son paroxysme hein, pour le début. Ah, quel beau niveau. Et oh, cette luminescence de niveau, putain. Ah, je suis content. Oh putain, oh putain. What the fuck. C'est quoi tout ça? Oh là là là. Et ce niveau. Les frites, les frites, les frites, attention. Bon, mon PC aura peut-être encore une marque des soucis de performance qu'il a eu tout à l'heure, mais bon. Ça, je n'y peux rien, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Hein. Ça, honnêtement. Repérer des soucis de performance sur un PC, faudra franchement le faire. Allez, oui, avant Brom. Et ouais, on finit par du jaune des frites. Ouais. Bah putain. Eh, ce niveau, du coup, franchement, mais qui il est magnifique. Qui était magnifique. On va finir par le niveau de mon choix, qui est en rapport avec la miniature White Leviathan. Voilà. On va voir ce que ça donne. J'ai même pas essayé. Une seule fois. Oh, déjà, s'il y a du blanc. Ah, j'ai bien fait de mettre White Leviathan, en fait. Parce que White, White, c'est White. Hein. C'est très blanc, en effet. Oula. Et déjà. Ah oui, comme ça, dès le début. Waouh, et ça m'attaque. Ça m'attaque pas mal tout ça. J'ai perdu une roue. Génial. Gêne-toi, merci. Wow. Ouais, mais vraiment, le niveau d'avant, il était super cool, mine de rien. Oh putain. Putain, waouh. On survit les gars, on essaye de survivre. Oh putain, il y avait encore des pics ici. Oh là 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 là. Et ce niveau, mais. C'est Violence Land, hein. C'est. Allez. Parfait. Je vais peut-être essayer un petit truc. 1, 2, 3. Voilà. C'est bien. C'est stylé. Oh, je vais passer tout à côté, comme ça. Et oh. Et GG Hades, hein. N'hésitez pas à commenter GG Hades. Hein. Et fin du niveau, et ben c'était génial. Et ben, je regrette pas d'avoir refait cet épisode. Et ben écoutez, ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à commenter pour vos propositions de prochains niveaux. Sur ce, je vous laisse avec. Bah, avec mes remerciements les plus distingués, n'est-ce pas? Non, vraiment, encore un grand merci. Et on se retrouve pour la prochaine fois pour un prochain épisode de Distance. Et encore une fois, un grand merci à vous de faire participer cette aventure sur Distance. Allez, ciao, bye bye les gens.